Tac, me voilà, me voilà, me voilà. En espérant que le live va bien se passer. Même si je pense que déjà non, je ne sais pas pourquoi. Je pense que... Je sais pas. On va voir comment ça va se passer. Bienvenue sur le live. Sur lequel on va reprendre R4 du coup finalement. Parce que bon, la dernière fois qu'on avait fait R4, on avait eu un petit problème finalement. Donc à voir ce que ça va donner maintenant. C'est pour ça qu'il n'y a presque pas eu de live pendant le week-end. Tac, nickel. Alors, alors, ça on va le fermer. Hop, ça. Pareil, je vais arriver. Me voici, me voilà. Et on enlève ça. Nickel. Ah, ça c'est la pause. Ok. Nickel, nickel. Attendez, c'est normal que. Ok, non c'est bon. Je me demandais s'il y avait un problème ou pas. Ça on ferme et ça on lance là-dedans. Oh là là, c'est le bordel, c'est la fête. Tac. Alors. Alors. Nickel, ça a l'air d'aller pour l'instant. Ouais, ça a l'air d'aller. Par contre, je suis un peu trop transparent. C'est horrible, finalement. Tac, on se connecte et on va commencer. Resident Evil 4 professionnel en plus en mode spécial. Donc, ça risque d'être sympathique. Hop, et hop. Oh là là, j'espère vraiment que ça va bien se passer, mon dieu. Un peu grand le chat quand il y a des longues phrases. Le chat. Ouais, il est vachement grand quand c'est des longues phrases en fait. On va baisser ça un peu. Hop. Nickel. Nickel, nickel. Nickel Chrome. Le jeu se lance. Parfait. Alors. En espérant que ça marche bien, ça a l'air. Ouais, ça a l'air. J'espère que ça va bien marcher, mon dieu. Alors, mince, mince. C'est pas ça que je voulais faire. Ça, j'arrive. Hein. Et si ça bouge pas, le jeu, c'est normal. Voilà. Alors. Où c'est que j'ai mis ma manette? Là. Voilà, c'est le bordel. Tac. Si, ça a l'air d'aller. On va faire une nouvelle partie. Attendez, non. On doit charger. Et faire... où c'est que c'est déjà? Un nouveau tour. Hop.
Là, ça part re pour un jeu. Mince, j'ai pris spécial 1. Got some rare things on sale, straight. Attendez, non, 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 non. S'il vous plaît. C'est pas fait exprès, j'ai mal lancé. Non plus. Ah oui, d'accord, reprendre avec tout son équipement. Oh my god. Ça va être génial, ça, surprendre avec tout notre équipement d'avant. Oh, attendez. Retourner au menu principal, oui. En fait, là, on joue sur le mode de nouveau tour. C'est-à-dire qu'on reprend notre partie d'avant. Donc là, je refais charger. Nouveau tour. Ok, et là, on prend spécial 2. Alors là, on est directement avec le monsieur. On va prendre la Mathilda avec nous. Ça, c'est l'arme spéciale. En fait, quand il y aura un peu plus de monde, je vous raconterai l'histoire de... Je vous raconterai l'histoire de la Mathilda. Et c'est assez touchant, sachant que c'est par rapport à un film français. Que le film s'appelle... Et c'est pour ça que le personnage s'appelle Léon. Ah oui, j'ai tout un truc à vous dire là-dessus. C'est vrai, c'est vrai. Non, tout ça, on oublie. Hein. C'est des armes de nul. Lance-roquette infini, le fameux. Alors, c'est pas un mode. Hein. C'est vraiment parce qu'on est sur une nouvelle partie. On va se prendre un spray. Thank you. On va optimiser directement la Mathilda. Not enough cash. Strange. What are you et buying? On va optimiser le Broken Butterfly. Not enough cash. Non, not enough pas assez d'argent. On va commencer la partie, c'est parti. La partie, c'est parti. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? Freezing. So cold all of us aren't. Must be my imagination.
Sorry it took so long. Je me rends compte qu'un accent, que l'anglais avec un accent espagnol est très bizarre, ça fait un mélange de langues très 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 étrange. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Alors, on va retrouver notre Leon mafieux. Who are these guys? Did you say something? Oh, Leon mafieux, toujours magnifique, avec Onion Gal qu'on découvre. Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. C'est vraiment une fille spéciale qui on retrouve dans Resident Evil 6. C'est l'acolyte à distance de Leon. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Alors, pourquoi on a qu'un couteau? Alors ça, c'est les armes qu'on a, comme Uu va comprendre. Oh là là, on a le Red 9, yes, ça c'est The Arm. Elle fait tellement mal, ça, je pense que ça va one-shot les ennemis au début. Alors, on se retrouve avec la Matilda, et je vais vous expliquer pourquoi ça s'appelle la Matilda. Est-ce que vous connaissez le film, tout simplement, le film Léon, qui est fait par Luc Besson? Et en fait, ce film a tellement touché le... Ce film a tellement touché le créateur de Resident Evil 4 qu'il a appelé le personnage Léon, et dans le film, Léon s'occupe d'escorter une fille du nom de Matilda, et c'est pour ça que cette arme-là s'appelle Matilda, c'est en honneur au film français de Luc Besson, Léon. Et j'ai trouvé ça mais vraiment génial, le personnage s'appelle même, enfin ça a été affirmé grâce à ça du coup. Je trouve ça vraiment génial. Là du coup on va les défoncer, vu les armes qu'on a, normalement on va one-shot au début. Alors j'aimerais rater aucun trésor. Il va falloir qu'on... Alors il me manque plus qu'un succès sur le jeu, c'est en deux, c'est de finir en professionnel et de battre Verdugo, que vous verrez qui est plus tard. Donc on y va les amis, on y va. Est-ce que le son est bon? Bonsoir. C'est dommage que c'est pas fait en cinématique les tenues. Excuse me, sir. Salut psy. Oui, c'est le mec exclu de... Oh, bonsoir. I was wondering if he might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Dire qu'il aurait pu nous one-shot et que ça aurait été la fin du jeu là. Freeze. I said freeze. Voilà, ça le tue en un coup presque. Ah non, ça le tue en un coup parce qu'on a une arme qui les one shot quoi. Comme on joue sur un nouveau tour, c'est normal. C'est tellement pas crédible du coup. Monte à moi. Vraiment. Shit. Monte à moi qui joue avec des armes toutes nouvelles. Is everything okay? J'ai ma valise, elle est remplie, elle est au maximum. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. La fille du président, le sujet. Allez go. Allez, allez go go go. Je préfère monter parce qu'ici il y a des balles. De toute façon, on va les défoncer, hein, sans vouloir les vexer, les pauvres. Avec l'arme qu'on a. Voilà, one shot. Mince. Alors lui est mort du coup. Ouais, il est mort, tout le monde est mort en fait. Vous voyez, ça prend 2 secondes, on a des balles qui sont assez incroyables. Voilà notre valise, hein. On va jouer un peu avec la Matilda, tu vois. C'est un pistolet au bout d'une crosse qui tire 3 balles par 3 balles. Donc autant dire que ça fait mal. On va sauvegarder pour du coup avoir notre nouvelle partie. L'herbe verte, on la prend, même si on va... Regardez, notre vie, elle est au max. Hein.
Ça va être tellement cheaté. Normalement, le jeu est quand même dur. Alors, on va sauvegarder du coup sur la 18. Resident Evil 4, toujours sauvegarder sur 3 parties parce que c'est toujours ce qu'il faut faire dans ce jeu. C'est pour ça qu'ils ont mis tant de trucs. Je sais pas pourquoi, c'est pas que c'est une tradition, mais c'est que ça, c'est comme ça quoi. Autant les buter, hein. Hop. Oh, pour une grenade, moi je veux bien. Commence à examiner. On dirait un avertissement, ça promet. Oui. Le chien qu'on aide, parce que si on l'aide pas, et bah on l'aide pas et on n'aura pas d'aide nous par la suite. Voilà le petit loup. Allez. Du balai. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Je suis jamais venu, mais est-ce qu'il y a quelque chose? C'est complètement fermé. C'est fermé. On va jouer un peu du sniper. On a un sniper en plus avec vision thermique. Commence à examiner. Je fais comme si je connaissais pas le jeu pour vous. Hein. Le panneau indique Pueblo. Alors, on a un ami là-bas à buter. Donc on va prendre un peu de recul. On va se le faire en comme ça. Ah mince, je suis encore en thermique. Ah mince, alors il est où? Ah, je pensais pas que j'avais le capteur thermique. Ah, c'est horrible du coup. Le mec est là-bas, certes, mais... Ah voilà, il est là. Voilà, je tremble presque pas. Voilà. Ça le bute d'un coup, au moins. C'est vraiment de la triche, ce qu'on fait. Alors là, faut faire attention, il y a un piège à loup, donc on va passer là. Hop. C'est limite, je pense qu'on va même pas se prendre de dégâts au début du jeu, quoi. On reprend la fameuse Mathilda. Quoique, même pas, regardez ce qu'on peut faire. Le mec qui limite tout le monde à distance en fait, c'est horrible. Je suis l'homme horrible là-bas. Alors là. Ah si, non, j'ai rien dit. Bon, ils sont morts en tout cas. Tous, je sais pas, mais ils sont morts. Yes. C'est vraiment cheatay. Une nouvelle herbe verte, ça je dis oui, même si on a plus besoin d'améliorer notre santé vu qu'elle est au max. C'est un peu con. Ah, y'a un truc à examiner ou y'a une main? Très bien. Vous savez quoi, on va enlever le viseur thermique. Moi pour l'instant il me dérange. Voilà. On retourne sur le viseur normal. Ouais, c'est mieux. L'égalité des sexes semble bien mise ici. Faut que je la trouve vite. Ouais, bon, s'ils l'ont kidnappé, c'est pas pour la buter. Hein. Donc ils sont morts, mais le problème c'est que. J'ai le mec qui meurt, mais il despawn pas. Alors c'est normal. Je pense que. Là où y'a des gens qui nous attendent, je crois. Ah non. Je sais qu'il y a quelqu'un dans la cabane. Ah, c'est oppressant. Bon voilà. Ah bah. Elle nous attend. Est-ce que je peux me le faire à travers la planche? Oh oui. Bah ouais, Lord Sadler, oui. Ils sont TMP. Alors, je reviens, je vais juste. Il y a ma porte qui arrête pas de claquer, je reviens. Voilà, sinon ça m'aurait beaucoup dérangé. Mais voilà. Alors, on continue. Notre escapade, très facile pour l'instant. Finalement. Ah, une porte. Et là, vous allez vous dire, what the fuck, vous allez voir pourquoi. Leon, how you holding up? Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Elle nous envoie le manuel du jeu. I'll take a look at it, thanks. C'est vrai qu'il nous le fallait maintenant. Oh mais... C'est une blague en vrai. Alors là, ça va être un peu chiant. Alors là, c'est pour voir un peu ce qui se passe. Et c'est le bordel. De toute façon, le jeu en lui-même va pas être compliqué. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. On va se faire attaquer par tout le village normalement. Alors, faut que je fasse attention que ça arrive pas sur le côté. Y a une maison, faut pas que je rentre dedans, sinon ça craint. Alors nous on va jouer avec quoi? On va jouer avec la Mathilda, on a assez de balles. Oh la quétale. Alors on m'attaque pas derrière je crois.
Ouh là là. Vous voyez que c'est pas compliqué. Hein. Alors là, voilà, on nous envoie le... Salut. Là, on nous envoie le village. T'as pas entendu mon histoire sur la Mathilda et sur Léon? Parce que Léon, c'est grâce aux Français hein, qui s'appellent comme ça. Bon, on va se les faire un peu sniper. Hein. Oh oui, le doublé. Oh là 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 là. Ouh. Toi, tu vas tomber là-haut. Voilà. Toi, pareil. Toi, pareil. C'est vraiment une partie cheatée en fait. Tu refais combien de fois ce passage? Bah là en fait là on est parti pour le vrai let's play. Hier ça allait pas en fait. Mais là je suis complètement en train de les niquer quoi. Ma partie elle est magnifique actuellement. Je pourrais même speedrun là. Mais non merci. Est-ce qu'il y en a encore qui me veulent du mal? Bah, il y en a plus. Mais venez les amis, il n'y a plus personne. Ah non, il n'y a plus personne en fait. Je crois que j'ai kill en fait ce que je devais pas kill. Ah si, là-dedans peut-être. Bonsoir. Ah bah voilà, c'est là que vous êtes. Mauvaise idée. Pourquoi ils tapaient tous ici? Ah, je me suis pris un petit coup quand même. Alors, ce qu'on va faire, vous allez voir que ça va être magnifique. Vous allez kiffer. On va charger notre lance-mine. Voilà, on l'a chargé. Et là, on va faire ça. Et voilà. Ça fait boum, ça bute tout le monde. Et c'est beau. Oh là là, le magnum. Ah non, justement, U. Et je suis pas en mode mercenaire, je suis en mode nouveau tour. C'est-à-dire que j'ai repris ma partie d'avant. C'est pas un mode, en fait, j'ai fait le nouveau tour. Quand tu finis une partie, tu peux la relancer, t'as accès à la Mathilda, au lance-roquette infini et à tout ton stuff d'avant. Et on n'est pas obligé de... En fait, on n'est pas obligé de... Le mec à la tronçonneuse, c'est si tu rentres dans un bâtiment qu'il faut absolument pas rentrer. Et moi, je rentre jamais dedans pour pas lancer la tronçonneuse. Mais tu vois bien que je l'ai fait sans tronçonneuse, là. Bingo. Là ça a duré 2 secondes quoi, je me suis pris un petit peu de dégâts mais tout allait bien. C'est un peu cheat, ouais. Bah ouais je l'ai dit au début. Je confirme c'est un peu cheat. Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Allez go. Oh ça il me restait des balles. Il m'en restait 5. Alors, tu veux que je te raconte l'histoire sur... J'aurais préféré le voir galérer un jour si je veux faire un professionnel. C'est dans, c'est dans ce bâtiment là que... Mais même la tronçonneuse je l'aurais tout shot en fait. Comme là j'ai mes armes de fin de niveau, de la fin d'histoire d'avant quoi. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas. Non, c'est à pousser. En fait, est-ce que tu veux que je te raconte l'histoire de pourquoi il y a une arme qui s'appelle Mathilda et pourquoi le personnage s'appelle Léon? Ah bah tu le saches déjà. À moins que tu connaisses déjà l'histoire. J'attends un let's play sur Resident Evil 4. Explique-moi tout. Le personnage s'appelle Léon. Bah non, du coup, on prend pas ce fusil à pompe. Le personnage s'appelle Léon parce qu'en fait, on a un film français de Luc Besson qui s'appelle Léon. Dans lequel, en fait, c'est un mec qui protège une petite fille, qui escorte une petite fille qui s'appelle Mathilda. Et c'est pour ça qu'on a cette arme-là qui s'appelle Mathilda et que le personnage s'appelle Léon. Grâce au film français de Luc Besson. Que tu dois connaître d'ailleurs, c'est un film très connu. J'ai pas tué la vache, c'est mon rituel de tuer la vache. On va le faire au magnum parce qu'on gâche des balles. Thug life. Je suis un thug. Oh bah, herbe jaune, parfait. Il nous faudrait une herbe rouge, quoique notre santé est déjà au max. Ah oui. Génial. J'ai eu la colle level 22. Tu sais que t'es le viewer le plus présent pour l'instant. Alors là, je sais qu'il y aura un truc pas très intéressant là-dedans. Qu'est-ce que je voulais faire? Remettre l'échelle. Ah non, ils ont pas amené les échelles du coup. Merde, il y a un trésor là-haut, il faut que j'y accède. Tchouk, tchac, tchac. Comment y aller? Oh merde. Ah non, j'ai cru qu'il y avait le serpent.
Encore un let's play sur Eurocat mobile. Il est pas sur Play Store, si. Moi je croyais que c'était que sur iOS. Et ben voilà, on l'a l'herbe rouge. On va tout de suite se faire une triple herbe. Voilà, comme ça on est bien. Bon alors, comment je monte déjà? On va tester ce bâtiment là. Hein. Il est pas accessible. Merde alors. Celui-ci peut-être. On n'a pas fouillé au passage. Et est-ce que tu savais que le boss Krauser, on peut le one shot au couteau? Faudra qu'on teste. Bon, moi j'aimerais bien monter là-haut, il y a un trésor et j'ai pas envie de rater les trésors. Parce après je m'achèterai la carte au trésor, mais ça sera trop tard. Comment je peux monter là-haut? Ah, ils ont pas amené les échelles. Merde alors. Ah oui, bah oui, forcément. J'ai défoncé l'étagère derrière. Tout va bien. Ah voilà, c'est là. Voilà. On a trouvé par où passer. Là, on fait le tour et on va chercher la spinelle. Qui est juste ici. L'homme qui connaissait les spinelles par cœur. Hop. Ici, on bondit. Hop. Alors voilà la carte. Le premier niveau de jeu, à quoi il ressemble. Et on a déjà les médaillons bleus. Parce qu'on avait déjà fait... Ah, mais on a surtout les... Oh, génial, on n'est plus obligé d'acheter la carte au trésor. On a déjà tous les trésors, donc on va en rater aucun. Nice, nice, nice. Putain, c'est bien de jouer un nouveau tour, en fait. Je vais pas vous mentir. Ça fait grave plaisir. Pourquoi il y a Léon mafieux? Parce que je joue avec sa tenue spéciale 2, en fait. C'est une tenue spéciale. Parce que là, en fait, je joue en mode spécial, en fait. Il y a deux tenues. Il y a celle où il a un gilet pare-balles BFA. Et il y a celle où il est carrément en mafieux. Et ses attaques sont jolies des fois, il fait des trucs assez impressionnants. Alors du coup, faut qu'on aille par là. Hein. Yes, on va monter là-haut. Est-ce que j'ai fouillé là-dedans? Voilà, surtout... Oh, il y a une trappe, non? Ah non, c'est la texture qui me faisait penser qu'il y avait une trappe. Mais non, par contre, la maison en face, celle-là... Oh, ce jeu, mais je vous raconte pas. Ah, appel à la vigilance. Selon certains renseignements, un agent du gouvernement des États-Unis se trouverait dans le village. Ne laissez pas. Ils ont eu le temps de faire la note quand même. C'est ne laissez pas cet agent américain entrer en contact avec la retenue prisonnier. Le chef Bitmore. Bitmole. Lol. Le chef Bitmole. Mon dieu. Alors, ça c'est pour cacher Ashley. Alors, on va déjà nettoyer la zone. Tac. Qui a d'autre? Il y a qui a kill déjà dans le coin? On va se faire le médaillon. Voilà, il y a plusieurs médaillons à se faire. Il y en a 15 en tout. Alors là, ils font croire qu'ils n'entendent pas les balles. Jouons en remasterisé. Pour un jeu mal optimisé. Non, merci. La musique trop bien. Donc là je sauvegarde sur la 19. C'est toujours ce qu'il faut faire sur l'Anteville. Vous faites ça sur 3 sauvegardes en fait. Peut-être qu'on fera Separate Ways une fois qu'on aura fini le... Pour avoir l'arbalète. Ah voilà, il est là-bas l'autre paysan. Je me demandais où il était. Vas-y, relève-toi. Ouh, il allait me voir. Il y en a un autre qui est juste là aussi. Oh d'accord, il y a... Et on joue en mode discrétion les gens, c'est affligeant. Alors, ici c'est le premier trésor je crois. L'astuce est très simple, casser le bout de bois. Et voilà, pour avoir le pendentif propre. T'as pris le mauvais compte, psy. Ah très bien. Donc on a déjà le premier trésor, les trésors sont les étoiles. Et on a tous les médaillons bleus à faire, pardon. On va kill les vaches un peu. Bon, ok. Si elle meurt pas, on va faire autrement. On bute les vaches au magnum. C'est moi qui vous le dis. Alors, c'est vraiment par sadisme que je fais ça. Le poulet aussi, tiens. Ah non, c'est vrai. Les poulets sont imbattables. J'avais un peu oublié. On a déjà plus de balles de sniper, c'est affreux. Mince. Voilà. Ah oui, regardez, il y a qui. C'est le chien qu'on a sauvé, sauf qu'il a plus de sang. Donc faut surtout pas le kill. Hein. T'as joué combien de fois pour connaître par cœur? Bah, R4 est un de mes jeux préférés, donc je le connais beaucoup bien. Ça se dit pas, mais beaucoup bien.
Ensuite ici il y a la fiche bleue du marchand qui nous dit ouais voilà, si t'as tous les médaillons je t'offre un truc spécial. Voilà, 15 médaillons machin, sauf qu'ils sont déjà indiqués sur la carte, il nous en manque pas mal dans cette zone, je sais où ils sont. Faut d'abord qu'on rentre dans cette grange et qu'on aille là pour retrouver un villageois qu'on va... Je crois qu'il nous a pas vu. Il nous avait pas vu le pauvre, ça se comprend, ça doit faire mal. Les flèches mid, très cheaté d'ailleurs pour les attaques en groupe. Alors, alors je sais comment aller à ce trésor là. Il faut descendre ici. Tac. Prendre le trésor. Oh, apparemment il reste des gens. Il restait des personnes. Oh oui, il est là. Putain, je headshot, c'est ouf. Comment je joue bien. Ah, il me choking. Hop. Bon, ça va, on aurait été très discret. On a même pas eu les musiques de... Une musique de combat, c'est très triste. Hop. Alors, il y a un médaillon ici qui est là. Mince. Nice. On en a un qui est de l'autre côté de la mine. Donc, okay. Attendez, quoi. Merde, c'est pour ça que je veux faire, c'est le descendre. Rupsi. C'est vrai que ça doit être horrible de pouvoir jouer en mode je connais le jeu par cœur, parce que c'est pas fou. Hop. Alors, ici, on prend l'œuf doré qui est un vrai troll. Il y a un médaillon qui est voilà, juste là. Hop. Combien de médaillons il reste? Ouais, les deux chats sont, donc c'est cool. Bon allez, on y va du coup, on va pas prendre plus de temps ici. Ah du coup je suis obligé de remettre la... Je suis obligé de remettre l'échelle. C'est normal qu'ils connaissent tout comme moi, Majora's Mask, que je connais par cœur. Le masque de Majora. On en a un là-haut. Aïe aïe aïe, oui aïe. Ah, j'avais mon curseur dessus. Dommage. Alors déjà on va faire celui-là. Fuck. Fuck. Voilà. À un moment. Et celui-là on va mettre notre dernier... Ah non, on en a plus. On va se rapprocher alors. Alors cet endroit on peut pas y aller de base de toute façon. Bon sinon il y a personne ici je crois. Et moi et les Uncharted. Uncharted ça doit être dur de tout retrouver. Non, c'est pas pour. Ce jeu il date quand même de 2007, 2008, 2009, je sais plus, mais il date d'il y a longtemps quand même. Hein. Donc vous avez le temps de mémoriser jusqu'à 2007 quand même. 2017. Donc bon. Allez, on descend. Normalement, on a toutes les médailles, tous les trésors. Ouais, cette zone est finie. Nice. Allez, on y go. C'est vraiment pas compliqué dans tes villes en nouveau tour. Professionnel, je vais pas vous mentir, il donne un petit peu de fil en retard. Alors là, je crois qu'on va nous lancer une boule dans la gueule. Ouais. Le moment. Le moment gênant où la caméra sait plus quoi faire. Bien, on spam Luke pour qu'il joue un live horror avec remember.exe. Je l'ai déjà fait, juste qui me l'a fait découvrir. Hop, des petits trésors. Alors là, du coup. Je peux revenir en arrière, mais ça sert à rien, je crois. Non, ça sert à rien. C'est cool que le jeu ait gardé toutes les cartes au trésor, ça m'évite de devoir les racheter. Vraiment. C'est super pratique. Alors là, c'est des spinels, je crois. Ouais, spinels, et ça, ça doit être une spinelle aussi. Nice. Les spinels, hein, le bijou de base qui traîne partout, on sait pas pourquoi. Alors, on arrive dans cette zone, normalement. Ah, mais j'ai plus de snipe. Alors, ce qu'on peut faire, hop, c'est charger le lance-mine. Nice. Une fois qu'on a fait ça. Voilà, c'est sur eux que j'aimerais lancer le lance-mine. Sur eux, ça va les faire exploser de l'intérieur. Voilà. Vous allez voir. Ça va être magnifique. Voilà. Bon, comme ça, ils sont tous morts. À l'intérieur, en fait, ils étaient barricadés pour lancer des conneries. Nice. Et il y a un ennemi juste là. Ouais, sauf qu'il rentre pas dans mon... Si, il m'a vu, lui. Oui, il m'a bien vu. Il rentrait pas dans mon champ de vision. Il lance vite. Stop toi, mec. Alors, j'aimerais bien tirer sur son truc explosif pour... Voilà. Pour le faire exploser avec. Hop, on risque de marcher dessus.
Alors, pour rentrer dans cette bâtisse, rien de plus simple. Par la fenêtre. Oh, mais ils sont encore là? Voilà. Je pensais que ça les avait eus, mais non. C'est pas grave, hein, ils sont morts de toute façon. Voilà. Ça fait des balles gratuites. Alors, ici, trésor. Ouais, deux trésors. Ah non, celui-là, c'est le. Ah oui, celui-là, je sais où il est. Un trésor dans cette maison, ok. On peut ressortir du coup. Ah là, on entend quelqu'un taper, on se demande pourquoi. Vous allez voir, ça va être assez impressionnant. On se demande un peu pourquoi quelqu'un tape. Hop. Oh là là, bonsoir l'araignée. Ah berk. C'est bien d'avoir modélisé le fait qu'on puisse buter les araignées, moi je trouve ça bien. C'est le petit détail qui change tout. Ah bah oui. La machine à écrire. Alors le jeu a, quand vous commencez le jeu, que vous ne le connaissez pas, je dis bien que vous ne le connaissez pas, il a 11 heures de vie à peu près. Après comme je le connais, je pense qu'on va arriver aux 7 heures. Ah, on a commencé. Je vais toujours avoir. Alors on a un trésor ici, sauf que je sais plus où il est. Non, c'est pas ça. De la weed, mais non. Où c'est qu'il est le trésor déjà? Ah mais non, le trésor n'est pas dans la maison, il est dehors. Il est dans la cour en fait. Il doit être dans l'arbre. Ouais, oui, il est là. Mince alors, c'est un œil de chat rouge. Génial. Si tu aurais... Ce qui est drôle, c'est que tu joues à la version originale de... Pour voir, pour pouvoir mettre le mode qui modifie l'apparence d'Ashley. Oui, j'ai compris. Oh, je l'ai déjà fait. Pour voir Ashley à poil, c'est vraiment... Mais c'est... Quand tu joues Ashley qui passe sous le bureau, du coup, tu vois tout, c'est horrible. Mais qui est derrière, mais qui est derrière cette porte? Qui on entend comme ça? Cinématique. Think? Oh. You're not like them? No. You? Okay. I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum. Bonsoir. Perfect. The big cheese. What? Bonsoir, c'est vite molle, hein, si vous voulez savoir. Waouh! On va sauvegarder quand même. Sur la 18! Sur la chaîne, lol. Ah. Feeble humans, let us give you our power. Mais qui peut être cette personne qui nous parle? Ça, c'est dégueulasse à ce moment. Oh là là, qui c'est? Soon, you will become unable to resist this intoxicating power. Et là, on se dit what the fuck finalement. Hey, hey, wake up. Aïe. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey. On va faire la rencontre du pédophile, vous allez rigoler. Mais vraiment, c'est un putain de pédophile. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter?
That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Je suis médium. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. Bonsoir, il me manque un œil. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Eh oui, il parle de, des anciens Resident Evil. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bonsoir. Do something, cop. After you. Non, merde. Now. On l'a eu. Oh là là, j'ai oublié qu'il y avait un QTE. Bon, c'est bon. Luis Serra s'en fout comme un lâche. On ne le revoit pas après longtemps. Le fun. Un Ingan. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church. Ça, là, il sait pas qu'on lui a infligé quelque chose. On lui a mis quelque chose dans l'escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. J'aurais tellement aimé le jeu en français juste pour voir comment ça ferait. Tu devrais essayer Resident Evil 2 remake. Bref. Attention, découverte du pédophile, c'est parti. Over here, stranger. la vidéo que je t'avais montrée. Oui, bah oui. La vidéo que je t'avais... Welcome, stranger. La vidéo que je t'avais montrée... Vous allez enfin, les amis, mais enfin découvrir... Merde, alors, je voulais pas lancer ça comme cinématique. Vous allez enfin découvrir l'origine. L'origine des musiques. Yeah, enfin mon premier légendaire de l'event. What? Got something that might interest you. Mon dieu, le pédophile. Got a selection of good things on set. Attention, on va acheter quelque chose. Vous allez écouter bien le son. Vous allez voir, c'est l'audio que c'est l'audio de quand on reçoit nous un don. Alors qu'est-ce que je pourrais lui acheter? Notre quête infinie, c'est un peu trop cher. Non, on va surtout optimiser. What je pense. Are you buying? Écoutez bien. Is that all? Thank you. Voilà. Oh là là. Not enough cash. Ça me fait trop rire. C'est les bruits de. En fait, ce monsieur est à l'origine des. Oh là là, j'en ai des trucs. Bon, on la prend pas. Ces messieurs sont à l'origine. Enfin, ce monsieur marchand est à l'origine de tous nos sons. De quand on a un don, quand on a un follow, etc. C'est assez marrant. Bon, on y va. De toute façon, on va casser la baraque. On va se mettre dans le petit trou. Ah, mais on a pas de balle de snipe. Si, on en a 9. On va se mettre dans le petit trou exprès pour snipe. Et on va y aller. On va snap. Snap. Imaginez Léon qui fait un snap. Non, mais sérieusement. Bon, là j'ai raté un tir, donc du coup je suis détecté. Qu'est-ce que je vous dise? Alors là, combien y a de trésors? 0 trésor dans cette zone, donc on va la speedrun. On va vraiment la speedrun. On va la speedrun, tu sais exactement où sont les éléments. Mince, je pensais pas qu'il m'aurait. C'est le moment de prendre un tir montant.
sais exactement où sont les putains d'éléments. Il nous faut deux trucs. Voilà, il nous faut deux éléments, deux bouts de porte. Alors là, ils arrivent à 800 000 avec leur dynamite. Ils vont lancer. Bonsoir les gars. Bonsoir. Voilà, là j'esquive. Voilà, je sais où aller. Tu m'as toujours pas donné les Twitch alertes. Je vais vous donner ça plus tard. À toi et Alba. Bonsoir les gars. Là. Au revoir. Honnêtement, pas compliqué. Allez, go. On est reparti pour du gaming intensif. Le pire, je reconnais le niveau de la version mobile. Mais la version mobile va jusqu'à où? Parce que moi je vois toujours dans le village, mais j'aurais bien aimé voir à quoi ressemble le château. On joue toujours pas à la mitraillette, c'est affligeant. Oh, j'allais dire je sais quoi faire, mais... Je sais quoi faire. On va jouer un peu au fusil à pépon. On va jouer au fusil à pépon. Ça fait d'ailleurs très mal. Le fusil à pépon. Le fusil à pépon. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui fait mal mon fusil à pépon. Aïe, oui, on bat. Là je sais quoi faire aussi. Hein. Ce n'est point compliqué. Vous êtes mort, ouïouïouï. Ah, parce qu'elle est payante de base. Oh là là, je suis un toc, je suis un fou. Je ne contrôle plus le jeu. Ah, il m'a bien mis. Bien joué. Et voilà, c'est la fin. Honnêtement, c'est tellement le jeu le moins compliqué au monde. Sauf en professionnel où j'avoue que... non, moi, faut que j'aille chercher d'abord le trésor. Qui est là. Salut. Alors là, normalement, si je me trompe pas... Non. Si je me trompe pas, je vais là-haut, puis je fais clé et trésor. Si je peux combiner un œil de chat, combiner... Ah non, c'est une émeraude qu'il me faudra, alors. Tant pis, tant pis. Voilà, donc normalement, j'ai tout, là. Dans cette zone, ouais. Bon, go, alors. Go, go, go. Fuck. Ça dure pas longtemps le suspense. Alors là je descends ici pour avoir le poisson. Le poisson qui est là. Parce que c'est... Voilà, il est mort. Par contre il prend beaucoup de place. Genre vous voyez la place qu'il prend le poisson quoi. Donc on va pas le prendre. Fuck. Tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Voilà, mais je préfère aller dans l'eau pour aller chercher toutes les conneries qu'il y a dedans. Allez. Il en prend du temps pour monter son échelle.
c'est la technique à faire pour avoir les corbeaux. C'est voilà, voilà. Merde alors. Merde. Heureusement qu'on en a beaucoup de balles. Hein. Quelqu'un là-dedans? Non, personne. Certains diront que je n'économise pas les balles, mais il y en a, ça sert à rien donc. Donc bon, finalement, c'est pas si grave que ça. Allez, on y va. Bendo na bendo, on rentre dans une maison très étrange. Avec une porte très étrange. Hop, voilà, fallait refaire le logo de la secte dont je ne dirai pas le nom car vous n'êtes pas censé le savoir actuellement. Alors, non, là, ok. On prend la clé de l'insigne qu'on voulait tout à l'heure. Jagmin, il n'y a rien. Je n'ai pas le temps de lire, tu m'étonnes. Et si j'ai une note. Note du chef. Comme l'ordonnait Lord Saddler, j'ai emprisonné l'agent, ne l'a pas tué. Pourquoi? Je n'ai aucune idée des mentions d'intention du Lord. Je pense qu'il aurait mieux valu les séparer et les laisser ensemble comme ça. Je ne crois pas que Louis fera confiance à un inconnu, mais s'il venait à collaborer, la situation pourrait devenir délicate. Si un troisième groupe est impliqué dans tout ceci, je ne pense que ce laisserait pas. Ah oui, parce que. Est-ce qu'il y a un troisième groupe? C'est ça la question. Est-ce qu'on n'est pas les seuls sur cette affaire? S'il pourrait qu'on soit pas les seuls. Nuestro jefe se cuidará de la rata. Si la plaga es mucho mejor que la nuestra. My God. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. C'est trop bizarre, les Anglais qui parlent en espagnol. Les Espagnols qui parlent en anglais, pardon. What? Same blood. Et là, on va faire le casse-couille jusqu'au bout. Oui, c'est la fin du chapitre, ok. Il a niqué l'ambiance. Vous allez voir, on va faire le casse-couille jusqu'au bout. L'homme méchant qui va carrément. Oh, il y a une gade. C'est bon, quoi, à un moment. Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados. That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Alors là, on va faire le casse-couille. Ah, mais attends, j'ai pas fini de te tuer. On a tiré en pleine tête de Lord Saddler dans le cadre. Et là, il nous kill avec son pied. Et là, ma meilleure amie, mon amour, mon amant. Oh, mon Aida. Aida. Oh oui. Remonte. C'est Aida, c'est pas... Hey. Oui, Aida. Aida, c'est la seule meuf au monde, elle est méchante et gentille. On sait pas pourquoi. Bref, voilà, c'était juste pour vous montrer cette cinématique, comme quoi on pouvait re-rentrer dans sa chambre et foutre la merde. C'est vraiment génial. Tu vas la combiner avec ça. Et ça, on va combiner ça avec ça. Ça fait une triple herbe verte. Alors on va kill les gens un peu dans la maison. Ah non, il y a personne dans la maison sauf s'il y a quelqu'un qui a la pissotière. Voilà, là, c'était juste pour montrer qu'ils sont en train de pisser. C'est Boobs de l'amour, yes. Sa tenue même, c'est la seule asiatique dans le jeu, je crois. Je crois, hein, je suis pas sûr. Bonsoir. Faut qu'on aille chercher le faux four.
L'homme qui... Non mais... Le faux four, quoi. Allô. Je veux le faux four. Vite, 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 allons chercher le faux four. Dans la cuisine. Le faux four. Il a fini de cuire. Bon allez, on se casse, on a une trotron à défoncer. V'la trontron. V'la trontron. Trontron tronçonneuse. V'la trontron. V'la trontron. Trontron trontron tron. Il est là, regardez. On va le cuire. Ah, vous savez quoi ce qu'on va faire? On va faire les gros connards. Je sais pas s'il va mourir au bout d'un lance-mine, mais on peut tester. Un forastero! Ah bah si, il est mort. Ah non. Interception! Qu'est-ce qu'on... Quelle arme on n'a pas encore beaucoup testé? Celle-là, on va se faire plaisir avec. Voili voilou. Ça demandait pas beaucoup d'efforts. Hein. Alors on a obtenu un rubis, mais est-ce qu'il y a le trésor? Non, il n'y a pas de trésor ici. Alors il y a la maman qui arrive. Ouais, les bruits qu'elle fait c'est vraiment dégueu. Oh la bâtard, la bâtard. Allez. Je reprends mes munitions TMP quand même. Comment je les avais appelés la dernière fois que j'avais joué à RE? Ah oui, les munitions TPMP. On va les appeler comme ça. Les munitions TPMP. Ouais, parce que TMP. Et là, on va l'appeler TPMP l'arme. Et là, attention, on va faire l'enculé. Comme il y a toute une Justice League qui nous attend de l'autre côté. On va viser celui du milieu. Tac, 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 tac. Avancez pas tous en même temps. Voilà. Ça, c'est fait. Ah, il est goodbye. Ah, bah non, il y a encore lui. On va tester un truc. Ah non, dommage, il est mort. Putain, les gars! Allez, on y va. Alors, ici, s'il n'y a pas de trésor, on s'en branle la nouille. Ok, pas de trésor, donc on y va. On a pas... Ah, je vais lui casser sa brouette à lui. Par ici. Oh là là, ils m'attendent à tous les coins de rue. Ils sont combien derrière, vous pensez là? Oh, Starfoula. Allez, on s'en va. Je vous dis bye bye. Ils sont marrants eux aussi. Ah, oh, la safe time. Ça, c'est à dire que la salle est 100% safe et qu'il pourra rien nous arriver dedans. C'est vraiment génial. Et alors, on nous redonne un peu de munitions, ça c'est cool. Faut savoir que la tronçonneuse, peu importe le mode, est one shot. C'est le truc où faut pas vous faire avoir. Ah si, voilà, c'est ça. Pourquoi tu... Ah, en fait, ça m'a fait croire qu'il y en avait 130. Ce qu'on va faire, on va quand même les prendre. Ah bah non, ça les a jetés. Tant pis. J'aurais bien chargé l'arme, quoi. Ah mais je crois qu'on peut... Est-ce qu'on peut faire avec ce jeu? Je sais que c'était une... Tu sais, c'est une astuce dans... C'est une astuce dans Resident Evil, je sais plus quoi. Ah non, ça marche pas dans celui-là. Dans Resident Evil 0, vous pouvez recharger directement depuis l'inventaire et c'est plus rapide. Alors attention, là, ça va être le what the fuck-tisme. Alors j'ai fait ça mais j'aurais pas dû, sachant qu'ici on va repasser et on va se faire assaut. Hop, j'ai le trésor. On ramasse les spinels qui traînent un peu partout. C'est une blague? Bon, au pire. L'homme qui a raté tout dans sa vie. Et là, oh là là, qui voilà? Got something that might interest you. Viens me voir. Got a selection of... What are you buying?
On va optimiser la Matilda. Hein. Thank you. Nothing to catch, strangers. Allez, go. On est chaud patate pour buter la meuf qui est dans le cabanon. Hey, attendez, je suis en train de me dire, on n'a pas raté des médaillons. Ah non, tous les autres médaillons sont là. Ok. On va reconnaître le cimetière. Alors, butons la madame qui est juste là-dedans. Voilà. Il y avait d'autres personnes? Ah, là quoi. Oh, attendez, si je fais ça, oh, ça le bute direct. C'est chiant, je vais leur tirer dans les genoux pour leur faire des coups spéciaux, mais que dalle en fait. Attendez, sinon on va se faire avoir. Ah non, c'est bon, la valise elle est remplie quoi. Voilà, pour prendre les balles au moins. Allez, go. Et oui, mon pistolet peut contenir 221 balles. Star Foufoun, comme diraient certains. Bonsoir, le corbeau. Aïe, ouille, hein, comme on dit. Alors. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'on avance. Alors il y a un trésor ici, mais qui est casse-couille. Il est derrière. C'est le trésor le plus chiant de l'histoire de l'humanité. A chaque fois je prends super solus. Ah bon? A chaque fois je prends super solus tellement je galère. Allume pas ta merde toi. Explose avec. Voilà. Ça a fait descendre un truc. Une grenade est tombée. Bah oui, grenade incendiaire, je prends. Alors ici il y a un médaillon. J'aurais bien aimé plus de... En fait tous les médaillons sont pas là. Ah si, ils sont sur le chemin après. Il y en a un. Alors là vous allez voir qu'on va galérer. Il faut retenir le logo qui est là-haut. Voilà. Vous allez voir que c'est la galère. Il y a des gens qui nous attendent ici normalement. Attendez, peut-être une astuce. Oh, c'est parti là. Explose avec ta merde. Aïe aïe aïe. Voilà, ça vous évitera de vous relever. Oh. Comment ça je peux pas recharger? Ah d'accord. Tant pis, hein, qu'est-ce que je vous dise. C'est ce qui arrive hein. Voilà, c'est ça le truc le chiant là. Alors attendez, je vais aller voir vite fait sur Super Solus. Ça nous fera gagner du temps, vous croyez moi. Mince. Hop, Resident Evil 4 et c'est 3 insignes. Voilà, y a, en fait, il y a tout un truc à faire, mais faut le connaître, quoi. Ah, voilà, j'ai la manip. Alors, il faut faire 3, 4, 4, 4, 3, 4 4 4 3 Et voilà. Ça nous évitera le moment casse-couille en fait. Tac. Allez go. Même si là je crois qu'ils nous attendent. Ah non, personne. Très bien. Leon, have you reached the church yet? Well, yeah. Sort of. Leon, did I mention not to take the scenic route? At any rate, Ashley's probably inside that...
Allez, sauvez, dépêchez-vous. Alors, let's go. Aliesta. Allez, allez, allez. Je kiffe. Oh là là, tu voles. Alors, 12. Il y en a un qui est là-bas. 13. Ah mais on a oublié celui du... Merde, oh là là. Faut revenir là-dedans. Lucas, sérieusement. Mince alors, mince. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alors il est ici. Bonsoir. Ah, il y a un corbeau bugué là-dedans, on s'en fout. Profitez bien du temps qu'il fait parce qu'après le jeu il se fait que pendant la nuit. Hein. Presque. Bon là il fait jour nuageux mais après il fait genre nuit pluvieux, c'est un peu horrible. Alors là on voit l'image JPEG là, la skyline JPEG. Ah bah. Bon attendez on va faire les tugs. Oh là 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 ça va être magnifique. Oh là 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 là. Headshot. Ta la 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 la. Pam 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 pam. Là dedans il y a un serpent donc je le fais de loin. Voilà. Ah mais si je l'ai eu. J'ai eu peur moi. Je vous le dis, j'ai eu peur. Comment ça, tu peux pas accumuler... Bon, je préfère faire ça. Je vais faire ça. Ah là là, j'aimerais bien avoir une valise plus grande, mais on est déjà au max, quoi. Oui, bah c'est bien beau, mais... Et là, on peut pas leur en leur planter un peu plus tôt, c'est dommage. Parce qu'avant, on pouvait. Et là, non. Alors là, on entend quelque chose de bizarre, ça va être notre premier boss. Ouais, notre premier boss. Alors, ici j'aimerais bien faire un truc, genre lancer une grenade, on va tester. Magnifique. Ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup. Alors ici il y a le monsieur méchant. Donc on va laisser fermer. Ça c'est des maisons qui vont être cassées plus tard. Donc on va laisser fermer. Là dedans il y a un marchand mais il n'y a rien à acheter. Donc on va aller là directement. On va jouer au fusil à pompe. Alors là on va se faire re-assaut par... On va se faire re-assaut pardon, par les lanceurs de boules. J'adore le nom putain. Allez c'est parti, les lanceurs de boules font action, c'est parti, ils sont contents, ils sont avec leurs boules. Voilà, c'était les lanceurs de boules. Alors là on va faire le mec chiant, on va essayer de les one shoot plus qu'autre chose. On peut voir leur magnifique skin hein, finalement. Alors là il y en a un mais on le voit pas assez. Ah si on le voit, il a une lanterne. Ah il est là. Magnifique n'est-ce pas. Ah, la casquette qui pop. Ah mais il y en a un qui est là. Plus de balles, j'aurais pas dû faire ça. Est-ce qu'on peut se le faire au magnum de loin? Ouais, gâché. Tant pis, tant pis, tant pis. On va pas s'attarder dans cette zone. Enfin, on a 800 000 grenades, quoi. On va pas s'attarder dans cette zone. On n'a pas raté 13 ans non plus. Hein. Non. Il y a un 13 ans, je sais où il est, donc c'est parti. Voilà. Au bout, bout, bout. Le trésor est là. On a tenu la pipe ancienne. Aliesta.
Voilà, pas besoin de rester ici pendant 800 jours. Voilà. Ciao, bye bye. On se reverra. C'est-à-dire que là, on est censé être avec que le fusil à pompe et le... Et le pistolet, hein. On va se remettre un peu d'idée, on a plus de vie du tout. En plus, on va commencer par un boss. Donc... Hop. Full vie nous fera du le plus grand bien. Bon, le boss qu'on s'apprête à faire est largement facile, en fait. Ah, on a pris le mauvais chemin, merde. Bah, ça fait une cinématique comme quoi le policier meurt dans l'eau. Génial. Disons qu'on voit le boss, en fait. Mais c'est pas là que je voulais aller. J'ai complètement oublié de prendre, voilà, ce chemin-là. C'est un peu con, finalement. Hop, le trésor est juste là. Starfully. Est-ce que vous pensez qu'on a Ashley avant la fin de l'épisode? Je ne sais pas. Oh oui, une herbe jaune. C'est le moment de se faire une nouvelle herbe. Non, on va pas acheter. Non, non, oui, aïe, oui. On organisera notre valise après. Alors là, on va faire quelque chose d'interdit dans le monde, c'est de tirer dans l'eau. Ah, il faut tirer dans l'eau en étant sur le pont, mais c'est pour avoir le succès, machin Ganados, et on se fait buter. Donc non merci. Non merci. Oui, c'est en tirant là-dedans, là, sauf qu'il faut pas trop le faire. Allez, on y go. Ah non, ça c'est les armes. Non, non plus. Faut juste avancer avec le joystick, mon con. Non. Ah, c'est avec ça qu'on fait du mal. On fait du mal. Je vais te faire du mal. Est-ce qu'on a eu le trésor? On a eu tous les trésors. Là, on traverse le grand lac. Et ça sera good. Le méchant, le grand méchant lui. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Je trouve que c'est raté. Merde, merde, merde. Oh bah oui, je me suis fait avoir. Là, il arrive par derrière, il va nous manger. Un boss compliqué. Hop, hop. En fait, c'est l'automatisme. Putain. Donc là, on se dit où il est. Mais où est-il? En fait, faut se laisser guider. Voilà, il arrive par là. En fait. Il est là. Voilà, faut lancer en pleine gueule. Oh là là. C'est la crise. C'est vraiment pas compliqué. Là, faut toujours aller sur le côté. Ok. Il redisparaît. Mais où est-il? Moi j'entends perdre par là. Ah non, par là. Par là, il arrive. Il est là. Alors lui est cher.
Aïe aïe aïe, j'ai raté. Il est vraiment pas compliqué comme boss en fait. J'espère que c'est fait bien. Ah oui, non, merde. Bien remaster la gueule parce qu'il est putain de moche. Alors là, il nous refait le coup de où je suis. Génial. Ah, il est là. Je crois que c'est... Est-ce que c'est le headshot? Est-ce que c'est la headshot? Oui. Je meurs. Aïe, ouille. Aïe, alors là, c'est chaud. C'est pas encore vraiment fini. Bien joué, Léon. Bien wesh Léon. On est fier de toi. Je suis fier de toi. Arlène, il va tout seul, ok. Fin du chapitre, forcément. Alors merde, on a loupé une cinématique juste avant et il faisait une crise comme quoi parce qu'il a le plagas en lui. Ah non, ça y est, c'est maintenant. J'ai rien dit alors. C'est maintenant. C'est joli, hein. Il pleut. Pourquoi mon visage est fonvérisé? C'est horrible. Ah non, c'est bon. J'allais dire oui mais non quoi. Allez, on 6 heures depuis notre dernière transmission, je commence à m'inquiéter, vous sentez seul, j'ai un petit malaise, perdu connaissance, il y a peut-être un livret, un truc machin. Oui. Alors là c'est... Elle est à l'église mais il pourra pas y accéder comme il n'a pas la clé. La clé est surveillée, lol. On en a de la double là-dedans. comment je pourrais t'installer? Je ne t'installe pas. Au revoir. On va sauvegarde. Voilà. Je crois qu'on aura fait le village en un temps record finalement. Ah, faire attention au trésor. Le prochain trésor, ouais, je vois où il est. On peut y aller sans aucun souci. Alors ça c'est parce que lui il a un plagas. Voilà, il avait un plagas donc forcément. C'est juste pour nous montrer que maintenant ils avaient des plagas. En gros ça sort de leur tête et ça fait blablabla. C'était l'imitation de Luke. Alors on va se mettre à notre point de snipe, vous allez voir où. On va monter ici, vous voyez qu'il fait nuit et il pleut. Tac, et on va snipe. J'ai pas de balles, donc on va no snipe en fait. Disons que je sais où les kills des gens, donc on va faire ça autrement. Oh quoique, on a un lance-mine, si la balle elle va jusqu'à lui, c'est le fun. La personne. La personne. C'est triste. Ah si, ce qu'on peut faire déjà, ça va nous faire gagner un temps fou. C'est s'occuper de... Voilà. De péter les machins.
Tac. Il nous en manque un qui est là. Ah non, c'est là, voilà. Voilà, comme ça on a tous les... On a tout fait et on peut sprint. C'est la meilleure des solutions. Là, laisse pas rappel de Léon. Pas mal à personne. Moi, il me semblait avoir vu un autre monsieur, mais. Mais non. Donc là, on a le trésor. Nickel. Ça risque de lag un peu, sachant qu'on est dans la sous la pluie. Donc c'est normal, vous inquiétez pas. Nickel. Nickel. Ça nous montre qu'on va se faire violer. Ouais, ils vont tous arriver devant en fait. Voilà. Pour vous résumer la situation finalement, on va faire mieux, on va faire vraiment une grenade aveuglante, ça va éviter de les faire à trop avancer. Allez. Voilà. Ça évite de trop se faire suivre comme ça. Et on se casse. Je sais pas jusqu'à où ils peuvent nous suivre, mais ils vont nous suivre, hein, je le dis. Ça doit déjà être le cas. Donc là, on a dit à la madame qu'on avait l'enseigne pour entrer dans l'église catholique. Et vous allez me détester dans pas longtemps. Mais quand je dis me détester, c'est me détester. C'est un peu pas ça. On a oublié de faire quelque chose, les amis. Merde alors. On a oublié de faire quelque chose. Donc on va y aller maintenant. On a oublié d'aller au trésor ici. Merde. Donc on est obligé de repartir. Mince, mince, mince. Parce que notre bateau est de ce côté-là, donc c'est un peu chiant. L'air encore nous attaquer, on peut sprint de toute façon, on va sprint. Salut les gars. Tais-toi. Enfin, je commence à prendre feu et tout le bordel. Voilà. Alors on va beaucoup plus vite sans grenade, hein. C'est pour ça que je vais trimballer les mains sans rien. Je vais faire largement vu l'endroit où on va. Il y avait un trésor ici. Ah, je n'avais pas vu ça pour le coup. Oh, c'était qu'une spinelle. Voilà, là on remonte. Oh, c'est la galère, le pauvre. Il y a des gens qui nous attendent ici. Non, il y a personne là pour vous mettre une musique comme ça là. C'est horrible. Arrêtez de faire ça, ne faites pas ça. Et il y a personne. Je ne comprends plus pourquoi ils me font peur comme ça. C'est un peu long, mais faut qu'on y aille quoi. Si on veut tous les trésors, c'est la tristesse. A chaque fois, je l'oublie celui-là. C'est plus chiant finalement. Voilà, faut juste aller en face. Voilà, là on arrive. Voilà. Alors, il faut faire ça.
pousser ça. Tac, passer là. Casser cette merde. Monter là-haut. C'est un bordel pour avoir ce trésor, hein, je vous le dis. Petit marchand là, je pense pas qu'il y ait du monde qui vient le voir en fait ici. En plus, il va nous proposer sa... son nouvel objet là. Voilà, on a une gemme verte. Et c'est avec cette gemme là, vous allez voir, il ne manquera plus que la rouge et la bleue. On va combiner la gemme verte. Tac, il ne manque plus que la bleue et la rouge. C'est nickel. Et ici on a le marchand. Alors là il nous propose sa nouvelle arme, mais on va pas la prendre. On va juste améliorer la. Voilà, la Mathilda. Et on s'en va. On peut reprendre notre mission principale. Alors attendez. Hop. Toujours je l'oublie, celui-là c'est vraiment horrible. Alors là ce qu'on peut faire, alors le chemin sera plus court. On retourne directement là. Ah bah non, le chemin sera pas plus court. Si, il sera plus court. On va croiser des loups, mais il sera plus court. Ah non, c'est mauvais. Ah non, c'est bon. C'est un peu con, mais voilà. Bon bah, super l'arrivée. Oh non, hein, te coince pas dans le sol. Alors là, on va faire affaire à des loups, mais c'est pas grave. Ils vont nous violer. Et encore une fois, c'est pas grave. On voit vraiment rien. Salut les copains. On a plus de balles de grand chose. Il est juste derrière. C'est pas grave. C'est un peu chiant les loups, mais on va en avoir un peu sur tout le chemin. On va prendre la mitraillette, on a plus de balles de pistole. On va prendre le fusil à pompe directement. C'est le truc qu'on joue le moins, alors bon. Let's go. Bah ici on va croiser tout le monde qu'on n'a pas kill. Voilà, c'est assez rapide. Il m'a fait peur lui. Oui. Je reste pas longtemps de toute façon. Ah, ils vous font des pièges en fait. Je remonte. Je remonte comme un saumon. Vous êtes combien les gars? Il avait un plagas, mais même pas. Oh merde, le jeu s'est fermé. Je sais pas pourquoi il s'est fermé. Bon voilà. Alors on va d'abord aller voir le marchand qui est là-dedans pour sauvegarder. On va avoir affaire à un boss, mais on va lui acheter une roquette directement. Oh, quoi qu'on a pas la place pour une roquette. Merde alors. Ça va nous faire surtout utiliser un peu nos munitions. On va voir ce qu'on va faire. On va voir ce qu'on va faire. Salut. Got a select. What are you buying? J'ai plus d'argent. What are you buying? What are you selling? Est-ce qu'on a vraiment la place? Il n'y a pas la place pour une roquette. Hein. On va faire un peu de ménage.
Alors on peut lancer des œufs, mais pff, les œufs en eux-mêmes, à part la santé, ils servent pas à grand chose. Impossible, comme on a la Mathilda, on aura beau tout ranger, on n'aura jamais la place. Tant pis, on va se le faire à armes égales. Hein. Tant pis, tant pis. À la roquette, ça leur est finish, comme la roquette finish tout le monde dans le jeu. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant pis, tant pis. Bonsoir. Alors, ce qu'on va faire directement, c'est prendre le lance-mine, on va jouer au lance-mine. On va les laisser détruire un peu les cabanes. Ça la kill. Ah, il est mort. Ok. D'accord, je pensais pas. Bon. Qu'est-ce que je vous dise? Il est mort. Du coup, il a même pas eu le temps de défoncer les maisons, donc on va prendre toutes les munitions qu'il y a dedans. Ah, il est mort au... Un coup de lance-mine sur son plagas, ça le one-shot. Bon, écoutez, on va pas s'en plaindre. Marde alors. Oh, je suis triste pour lui, il aura pas vu beaucoup le jour. Mince, mince, mince. Imagine vivement qu'on joue au Lance Rocket Infini. Ça va être drôle. Bon, puis on s'en... Ah, si, 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 j'ai moyen de les faire rentrer. Tac. Bon, allez, on se casse, on va chercher Ashley. Ashley qui va être casse-couille, mais qui ne pourra pas se faire attraper. Vous allez vite comprendre pourquoi. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ça va être très drôle. Alors là, normalement, il y a des loups qui nous attendent. J'espère qu'il va exploser avec ses potes. Très bien. Sinon on a eu tous les trésors. Ça manque plus que 3 et ouais on les a tous. Ok. Bon allez, let's go alors. Let's go, let's go. Ça va être l'heure de la cinématique importante. Hop, alors. Alors. Il faut monter ici. De ce que je me souvienne. Faire le tour. Ah non, c'est pas ici qu'il faut monter. Ah si. Voilà. Sauter en face. Et sauter ici. Et piloter cette merde. Ça allume les projecteurs. Et on va devoir refaire le logo de leur secte. Alors le rouge, qu'est-ce que j'avais fait déjà ? Le rouge était comme ça. Ouais. Le vert, lui... Je crois qu'il était comme ça. Et le bleu... Comme ça. On va les combiner. Mince. Alors c'est le bleu qui va pas. Comme ça peut-être. Même si je crois pas. Non, oulala, bah oui, mince. Alors, c'est peut-être le rouge. Ah oui, le rouge, non, ça va pas. Le rouge est comme ça, voilà. Et le bleu, du coup, en fait, il était bon.
Voilà. Alors on va aller chercher Ashley qui est très casse-couille. Vous allez comprendre pourquoi elle va être casse-couille. C'est un boulet de base, sauf que là non, c'est pas un boulet. Bonsoir. Ashley. Don't come. Hey, take it easy. No, get away. Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. On my way. Et voilà, nous avons Ashley Chevalier. En gros, on peut le tirer dessus, il se passe rien. Elle ferme juste le truc. Et elle fait des cliquetis horribles. Voilà, ça c'est les bruits qu'elle fait. C'est Ashley Chevalier, mais tant pis. Au moins, en fait, elle peut se prendre aucun dégât et puis personne peut la porter. Donc en fait, finalement, il n'y a pas de stress en fait à avoir. Vraiment, genre, c'est très plaisant. Donc on va voir ce qui va se passer, mais... disons qu'elle sera moins casse-couille. Le bruit va être casse-couille, mais elle-même, non. Léon, Mathieu et elle... non, mais écoutez, s'il vous plaît, quoi. Là, je sais pas ce qui se passe si je saute. Ah, je peux pas. C'est le seul défaut, c'est qu'elle fait des bruits de ouf. Ah là là, Ashley Chevalier, arrête. I'll take the girl. Who are you? If you must know, my name is Osmond Sadler, the master of this fine... Le fameux Osmond Sadler. ...religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No. Oh là là. Ah, il a une tête trop bizarre. Mon Dieu. Il a une tête horrible, le mec. I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. Ils ont vraiment une tête, c'est horrible. Oh, you okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it. Voilà, voilà, c'est la fin de ce chapitre finalement. Alors, on va juste prendre ça. Tout ça. L'herbe rouge, je vais la mettre nulle part, désolé. Et Ashley a beaucoup de vie en plus, vous voyez. Donc, c'est cool. On lui fera améliorer sa vie, d'ailleurs on va le faire maintenant. On va lui mettre sa vie au max. Hop. Voilà, Ashley a sa vie au max, comme ça c'est cool.
Allez go. Il peut rien t'arriver de toute façon. Et au pire on va faire des connards. Leon, shoot those barrels on that wagon. Il peut rien améliorer. Il peut rien lui arriver à la fille. Généralement elle regarde derrière quand il y a du monde mais. Ça reste pas comme ça. C'est pas grave. Ah, il peut vraiment rien lui arriver quoi. Alors là on va se faire aussi assaut. Mais bon c'est pas grave. On va les ignorer. Ah non, y'a personne. Normalement y'a du monde ici mais apparemment non. Là ils se sont dit que non. Ça va, ils vont tout seul. Y'a personne. Génial. On va sauvegarder et on va arrêter là le live pour pas aller trop loin, ça servira à rien. Tac tac, on va ouvrir ça. Non bah on peut pas. Bon attendez, je vais devoir sauvegarder car j'ai eu 30 balles. Je l'adore. Nickel, donc on est sur la sauvegarde 20 du coup. Donc j'espère que ce premier épisode vous aura plu de Luke Orcho. On va se retrouver pour le prochain épisode samedi soir normalement. Là on est vraiment sur ce jeu, ensuite on passera à Soma. Tac. En espérant que ça vous aura plu de voir ce magnifique jeu. On se dit à on se dit ciao. Je vous laisse avec Alvatorz et son let's play sur DLATP, je pense, à voir. Bye bye tout le monde, c'était Luke Gamer.